Bonjour à tous, c'est Skyriad, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de Minecraft RPG. Alors je suis désolé si dans le dernier épisode, je viens de regarder la vidéo, je suis complètement désolé. Apparemment c'est bien lagué le truc, alors j'espère que ça vous aura pas dérangé, puisque je tourne les deux vidéos à la suite, celle d'aujourd'hui et celle de la dernière fois, hein, parce qu'on est mercredi aujourd'hui, donc je préfère tout faire à la suite, hein. C'est beaucoup mieux étant donné que je sais déjà ce qu'on va faire. Et oui, ça y est, c'est parti, le nether, on va y aller, on va saccager le nether, on va tout brûler, enfin même s'il y a déjà tout en feu. Tout d'abord, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit truc. Et voilà, donc c'est ici, j'ai creusé une petite salle, bon c'est encore vite fait. Voilà, alors là sera la future salle d'alchimie, bon elle est encore en construction, vous verrez par vous-même à quoi elle va ressembler après, hein. Il y aura donc des alambics ici, des trucs de nether wart ici avec de la soul sand, et ici la table d'enchantement, un petit point d'eau. Donc là c'est encore en construction. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est une table d'enchantement, parce qu'on a la puissance, on a le pouvoir, on a la force pour le faire. Donc ça y est, allons-y direct, hein. En plus 21 cuir, c'est génial. On est overcheaté niveau cuir. Et puis en plus, on est complètement overcheaté niveau bois. Ah, vive le pillage. Donc voilà, on est... vive le pillage, tu sais, le gars, il a aucun remords. Donc voilà. On va se mettre du papier, voilà, pour se torcher avec. Hop, aucun répit, hein, absolument pas. Voilà, bien. Hop, maintenant, on va se faire des feuilles. Des feuilles de papier. Enfin, en même temps, oui, des feuilles, c'est forcément de papier, quoi. Quoique. Voilà. Et bien évidemment... l'obsidienne, parce qu'on en a en quantité overcheatée, sans avoir miné une seule fois de l'obsidienne, ce qui est plutôt non commun, disons. Donc, ah zut, il faut deux diamants. Bon, écoutez, deux diamants, on est tellement riche, voilà, on en a 30, on en a utilisé 10 depuis le début de l'aventure. Où sont passés mes diamants? Voilà, ils sont là. Attention, attention, bibili. Et voilà, nous avons notre magnifique table d'enchantement, succès obtenu, enchanté. Moi aussi, je suis très enchanté. Donc, voilà. C'était une blague de merde. Bien. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui. Bon bah les bibliothèques du coup. Hein, allons-y tranquille et directement. Voilà. Donc on fait quasiment plus de bibliothèques depuis la dernière version. Là 1.4.5. Enfin depuis que d'ailleurs il faut faire les livres avec du cuir. On peut plus rien faire. Je vous l'annonce tout de suite. C'est vraiment impossible quoi. Ah oui c'est vrai. Ça me sert à rien les angles. On va pas mettre dans les angles parce que ça sert à rien. On va cacher... Oh, voilà, on a déjà une ligne entière de bibliothèque. Je pense que ça va aller vite, hein, quand même, avec les cannes à sucre qu'on a là, juste à côté de chez nous. Est-ce qu'on en a dans ce coffre? Non. Bon, ben, regardez, voilà. Ça a déjà tout poussé. Voilà, on fait la rafle. Bon, évidemment, vu que c'est un petit peu long et tout, j'y ferai hors caméra, ça. On a d'autres choses à faire aujourd'hui. Ce qui est donc aller dans le nether. On va prendre cette épée quand même, parce que, je sais pas, j'ai pas trop confiance... voilà, est-ce qu'on a... On va se... Ah, on a 6 fourrures. Oui, on en avait 6 déjà au début. Alors, ce qu'on va faire, c'est des chaussures de fourrure. Un pantalon de fourrure. Un casque en fourrure. Je sais pas, franchement, j'hésite. Alors, on va se faire des chaussures en fourrure. Et puis, voilà. Chaussures, yeah. En fait, ça fait pantalon. Je pense que le gars qui a fait ça a dû se gourer dans la construction du truc. Hein. Bien. Big Cat. J'adore comme il nomme le truc, quoi. Big Cat. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, il y a des traductions qui sont vraiment très honteuses. Je vais vous montrer un truc. Attention. Voilà. Ah, non, perle des limbes, alors, ah oui, bon, bah, ça y est pas, je vous conseille de regarder la traduction des 2-1-2-1-2, voilà, ça y est, c'est parti, la traduction qui est très approximative de l'œil d'Enderman, parce que, en fait, c'est tellement honteux, ce truc, je trouve, parce qu'en fait, c'est marqué œil de tout doux, T-O-U-D-O-U, et là, c'est le drame, non, franchement, je trouve ça complètement honteux, œil de tout doux. D'ailleurs, il nomme les Oslo. Bon, si vous regardez œuf de Oslo, hein, c'est pas œuf de Oslo, c'est œuf de petit minet sauvage. Œuf de petit minet sauvage. Le seul petit minet sauvage que je connais, c'est... bon, bref, c'est mon chat. Voilà, on va dire que c'est mon chat. Et donc, voilà.
Enfin bon, non, je vais pas parler de ça. En même temps, je suis très mal placé, mais c'est honteux, quoi. Le petit minet sauvage, voilà, un minet, voilà. Il y a que les personnes âgées qui appellent ça, qui appellent les chiens minet, et c'est complètement buggé. J'ai combien de FPS là? 12, 20. Ah, ça remonte, non, ça redescend. Bon, écoutez, je vais faire des coupures parce que ça devient un screenshot le truc en fait là. Allez, et re bonjour à tous. Oh là là, mais ça fait deux fois dans deux épisodes à la suite que je dis re. Et que j'enchaîne bonjour à tous, quoi. Bonsoir à tous, excusez-moi. Voilà, on va mettre le cuir ici, de toute façon, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, on s'était quitté, je crois qu'il construisait un truc. Oula. Oh, le châtiment, il faut me châtier pour avoir oublié de me mettre en phare. Wow, regardez ce qui se passe. Oula. Waouh. Bah voilà. Quand il... Oula. C'est un peu bizarre par contre leur construction là. Oui, parce que comme dans l'épisode précédent, il me semblait bel et bien qu'en fait ils... Oula, il y a deux personnes qui construisent là. Et il me semblait bien qu'ils augmentaient la taille du château. Bah regardez, là ils commencent à faire des tours. Les PNJ sont débiles par contre. Donc ouais, apparemment là ils font un truc de malade mental. Regardez la taille du château. D'ailleurs, ils ont remis le truc. Bon, en même temps, ça c'est cool parce qu'on n'a pas à s'en occuper. Par contre, regardez, ils sont en train de faire un truc. Bois de chêne, il leur en manque. Il manque du... Salut, toi. Non, mais c'est bon, pas besoin de me harceler. Ouh, regardez les coffres aussi comme ils les ont. Oula. Bon, d'accord. Enfin bref, ça a l'air d'être vachement intéressant et on va revoir la tronche du château quand on aura fini d'explorer le Nether, zone que je déteste par excellence. Donc c'est parti, on n'a pas du tout ce qu'il nous faut là en stuff. Ah ouais, non non mais c'est pas possible, pas besoin de miauler Minou parce que miaou, ils sont tellement mignons les petits chats. Donc si j'ai pris deux machins comme ça, c'est pour une bonne ré... Ah bah non, j'ai déjà une épée, donc on va se faire une on va prendre du bois déjà. Voilà, on va prendre un peu de bois, on va se faire une pioche. Peu peu peu. Voilà. Et puis, on va se faire un arc. Ah bah non, on en a un. Bon bah, cool alors. Est-ce que je suis niveau combien? 32. Alors, est-ce que je peux me permettre de juste enchanter avec un niveau minimum mon arc? Genre niveau 1 ou 2. Juste comme ça. Niveau 3, de toute façon, si je vais dans le Nether, je pense que j'aurai de quoi tabasser pas mal de monde. Allez hop. Puissance 1. Bon bah voilà, je voulais juste un petit truc comme ça. Ouais, c'est juste deux niveaux d'XP. Voilà, je voulais juste augmenter d'une petite puissance le truc. Puissance de 10, oui, bien sûr. Voilà. On a notre stuff. On a de la bouffe, évidemment. Apparemment, il y a des scorpions du Nether. Hein. J'ai remarqué ça en allant visiter un peu le guildbook. Guildbook, oh yeah. Par contre, j'ai entendu un truc. Non, c'est bon, le paysan là-bas n'est pas venu squatter. Bon, tant mieux. J'ai d'ailleurs, en faisant la petite salle là, j'ai trouvé un peu de fer, donc je l'ai déjà mis au four et tout, hein. On n'a pas de problème à ce niveau-là. On a un arc, on a une... Je regarde franchement si on a tout, parce que le Nether n'est pas un endroit que j'apprécie, hein. C'est pas le genre d'endroit où j'irai habiter. J'ai déjà une pioche, je suis dégoûté. Voilà, c'est pour ça qu'en fait je voulais mettre au départ tous mes items dans le même coffre. Voilà, coucouche panier, hop, tout le monde est content. Waouh, mes FPS, je sais pas ce qui se passe du tout là. Je suis vraiment désolé de ce qui arrive. Je vais essayer de régler ça une dernière fois, mais je vous prédis rien. Hein. Je suis vraiment désolé. Rebonjour, allez. Oui, bon, là j'ai dit re et bonjour. Ok, bon, c'est pas grave. Bien, allez, c'est parti. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai toujours l'impression d'oublier un truc et c'est le cas à chaque fois d'ailleurs. Donc, la ferme, la chèvre. Donc voilà. Waouh, oh là 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 là. Aïe. Bon bah finalement j'ai bien fait d'enchanter mon arc avant de me tirer moi. Je suis mort de la manière la plus conne au monde. Voilà, c'est. Je le dis, j'ai pas peur. Ok, bon. C'est génial. J'ai pas rebondi. En plus, mon or le Minecraft m'a trollé, voilà. Oh là là, c'est honteux. Ouais, mon stuff d'ailleurs. Enfin, je sais pas, normalement j'étais censé faire un truc à la avant-arrière, mais bon. Bon, il y a beaucoup d'XP par terre. 5 niveaux. Oh, ça a chier. Dégoûté. Bon bref, voilà, vous aurez assisté à un énorme fail de ma part. Oh là là, c'était minable. Hein. Voilà. Attention. J'espère qu'il y a tout. Voilà. Hop.
Attention, bon, on va peut-être baisser du coup. Oula, mais je suis en difficulté paisible, moi. Puisque je le fais en fait pour construire un peu, sinon les mobs risquent de tout péter comme dans l'épisode d'avant. Particules réduites, minimales. Oui, on va se mettre en réduite parce qu'il y a beaucoup de machins. Voilà. Des machins. Alors attention. Le suspense. Génération du terrain. Succès obtenu vers l'infini. Allez, attends. Bon, chargement du monde. C'est un peu long là, non? Bon, écoutez. Ah non. Bon, c'est bon. Oula. Waouh! Waouh! Eh ben ça promet! Ouais, il y a beaucoup d'hommes cochons là-bas. Oui, des hommes cochons. Ça a fait marrer quelqu'un quand un jour j'ai dit homme cochon en parlant de Minecraft. Bon, bref. Oui, non, mais ça ne regarde personne du tout. Hein. Je ne vise personne d'ailleurs. Bien! C'est peut-être. Ben, là, c'est un moment que je n'apprécie pas trop. Espérons quand même qu'on va tomber très très rapidement sur un bastion. Hein. Ah bah voilà. Bon, bah c'est bon. Hein. En fait, j'ai rien dit. Hein. Voilà, non, non, mais c'est bon. Le bastion en fait est juste devant nous. Bon bah voilà, comme ça on aura tout ce qu'il nous faut. Il ne manquera plus que garder la lave qui est en train de se casser la gueule devant moi. Genre c'est l'apocalypse. Repentez-vous ou brûlez en enfer. La fin du monde est proche. La lave tombe du ciel. Pour Minecraft, la fin du monde serait une énorme coulée de lave qui tomberait du ciel. Bon, eh bien voilà, c'est parti. On va commencer à grimper. Aïe. Ouch! Ah! Il fait 2 km de haut ce rat! C'était quoi ce tour? Aïe, aïe! Ah! Oh, il m'a donné de la redstone! Oh là là, le rat de 2 km de haut, quoi, le truc! Ouh là là, mais c'est qu'on voit absolument rien en plus! Je suis désolé, mais. Ouais, c'est vrai que la pierre du Nether est d'un sombre de malade mental! Enfin, moi perso j'ai du mal à voir, c'est peut-être à cause du reflet de la neige. Oui, parce qu'il y a de la neige, ça c'est cool. Le reflet de la neige sur mon écran, mais. Et ça y est, on se retrouve. Donc oui, j'ai fait une mini ellipse. Enfin pour vous ça a duré 0,0005 secondes et pour moi ça a duré 2 jours. Bon alors j'ai rien fait entre temps, je vous assure. Hein. Non non, je vous assure, je suis tout à fait normal. Rien n'a changé depuis la dernière fois, même pas un blaze qui a popé en plus. Normalement. Aïe. Bon, là je suis en train de me. De. Je sais pas, je m'amuse. Voilà, c'est les flammes. Tout le monde s'éclate. Youpi, c'est fun. Bref, je me fais atomiser la tronche. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc bon. Il n'y a rien par ici. Génial, ça fait plaisir. Donc oui, voilà, j'ai fait une coupure parce que j'en avais marre de tourner. Voilà. Enfin, juste un petit moment comme ça. Je me suis dit, bon, allez, j'arrête. Parce que ça faisait je sais pas combien de temps déjà que j'y étais. Ouais, un bâton de blaze, ça c'est cool. Et donc je me suis dit, oui, voilà, j'arrête, je reprendrai plus tard. Et donc après, Okozop s'est connecté, comme vous le savez, on est censé faire un truc... aïe, censé faire... Ouch! Ok! Barricadé, c'est parti. Non, 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 non. Bon, ça fait plaisir. Voilà, bon. Ok, j'ai rien pu faire par contre. Bon, écoutez, ellipse, hein, jusqu'à ce que j'arrive de nouveau dans le Nether. Parce que sinon, comme ça, on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Bon, allez, ça y est, on se retrouve. Mort bête, hein, évidemment. J'ai perdu la moitié de mon stuff, il me semble. Il y a du monde. Ah bon, ils sont pas foutus de tirer. Bon, bah tant mieux alors. Aïe, ah si. Donc oui, moi et Okosap étions censés donc faire une vidéo ensemble, seulement il m'a dit oui je reviens, non je vais pas crever. Oui je me déco quelques temps, je vais revenir, il n'est jamais revenu, bon apparemment il ne pouvait pas. Enfin il ne pouvait pas... Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. J'ai peur. Bon allez on se tire. Ouais, alors ce qui serait pas mal quand même ce serait de trouver l'endroit où on pourra accéder à... Au verrou du Nether. Oh oh. Bon, où est-ce qu'on va aller? Ok, bon, bah pour l'instant, on va se retirer, je crois. Ah, oh, aïe, aïe. J'ai eu chaud là. Hein. Excusez-moi, laissez passer, merci. Bon, on n'a ni nourriture, ni quoi que ce soit. Enfin bref, peut-être qu'on va la faire, du coup, enfin peut-être qu'on l'a déjà fait, cette vidéo. Je ne sais pas, parce que de toute façon, ce que je prépare actuellement, c'est la vidéo qui doit normalement sortir le lundi.
Ou le mercredi, si évidemment on arrivait à faire cette vidéo ensemble, parce que il n'a pas beaucoup de connexion, le pauvre. Et bon, il peut très bien chialer devant son écran, ça changera rien. Donc voilà. On a choisi notre map, elle sera vachement bien. Par contre, c'est une map que j'apprécie. C'est une ville abandonnée avec plein de zombies, un texture pack fait exprès pour. C'est la map que j'ai projet de faire, mais juste après celle que je construis actuellement. Surprise. Et donc voilà. Donc je vais pas vous en dire plus à propos de ma map. Hein. De toute façon, j'ai tous mes droits. Non mais oh, il veut me baffe le petit là. Donc voilà. Et puis dans le Nether, bah écoutez, j'ai retourné hors caméra, enfin hors fraps, histoire d'aller récupérer juste des petites verrues du Nether. 3 Blaze Road, c'est très bien ces 3 Blaze Road là. Bon, et puis après, on pourrait y retourner, mais je sais pas quoi ils vont me servir en fait. Voilà. Bon. Les escaliers de l'infini, évidemment, les escaliers de l'infini, complètement impossible à monter. Ça ressemble un peu à Mario 64, le truc. Je sais pas si vous vous souvenez de cette salle, la fin du boss, où quand on a Mario, on peut y accéder, mais quand il y a Luigi, le gros Wario, ou le Yoshi, Yoshi 1-1-1, où il y a le Yoshi, je disais donc, eh bien, bah, on peut pas y accéder, on monte à l'infini comme ça, jusqu'à je ne sais pas où, d'ailleurs, je me demande où ça se finit. Donc, je n'ai plus d'armure, génial. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais, moi? Ah oui, de la shovel, là, voilà. La cobblestone. On va descendre dans notre trappe secrète. Nanana, Batman. Oula. Oui, je me suis dit aussi. Bon, l'autre, on va le garder éventuellement. Je sais pas trop ce que j'en vais faire. Voilà. Bon, là, les verrues du Nether ici qui auront leur petite place. La table d'enchantement. Ouh, j'ai appuyé sur majuscule. Ça sert à rien. Voilà, alors la dernière fois, enfin la dernière fois, mais je suis con. Donc il y a 2 jours pour moi, il y a moins de 5 minutes pour vous, on s'était quitté devant le château fort en construction. Regardez la gueule qu'il a, le truc. C'est magnifique. En fait, je sais pas trop à quoi il ressemble pour l'instant, mais regardez, on a fourni suffisamment de matériaux et de ressources pour qu'ils aient un peu upgradé la tronche de leur château. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fini. Ah non, peut-être pas. Et donc, ah ouais, franchement, regardez, ils ont rajouté des tours et puis le château est déjà bien plus grand. Alors ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Construction fort, amélioration 1, 99%, voilà. Bon, après, le marché avec leur laine rouge et puis voilà. Ah bah voilà, non mais voilà quoi. Oui, je suis content de moi. J'espère que vous êtes content de vos achats. L'autre, il comprend. Oh, merci, je vous en prie. Merci, c'est trop sympa. Merci de m'avoir dit content de moi. Donc, le cheval de l'infini, je vais pas le taper, contrairement à ce que vous pensiez. Alors, quand je me jetais littéralement sur lui avec mes épées en main. Enfin, mon épée en main. C'est quoi qui fait un bruit de slime? Je suis débile. C'est quoi qui fait un bruit de slime? En fait, c'est tellement logique la réponse. Il n'y a qu'un slime qui peut faire un bruit de slime. Ah, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu mon épée de cheaté. Oh, ça m'énerve. De toute façon, je crois qu'on peut faire largement mieux avec les scorpions du Nether. Donc, oui, non, ce n'est que 3 diamants gâchés, voyez-vous, j'en ai le triple, alors voyez-vous, je m'en fous littéralement. Je suis suffisamment riche pour m'octroyer plus de 3 diamants dans une épée, même s'il y en a 2, bien évidemment, que je me suis complètement chié. Mon acculture va me rendre idiot. Oh. Sur ce, je vais dans mon château boire du thé en levant le petit doigt. Voilà, bien. Du coup, moi j'ai faim, je suis tellement pauvre que je mange de la rotten flesh. C'est bon, m'en vais, c'est pourri, bref. Voilà, alors on va courir chez nous, courir sans aucune raison, batifoler à travers les herbes hautes et les oiseaux qui chantent, et surtout donner du foin à nos vaches. Les vaches adorent le foin. Il va peut-être falloir se faire, oui, un coffre, ou alors pourquoi pas des mini-champs là, juste autour du truc là. Ce serait déjà plus efficace que le garder dans notre château. On va dire château réserve personnelle, et puis foin à côté des vaches, foin pour les vaches. Voilà. Comme ça, je serais pareil qu'une vache, je bouffe du foin. Du coup, ils nous voulaient quoi? De la laine? Puis on a un truc complètement overcheaté, c'est le feu buggé. Hein, pourquoi pas, d'accord. Du coup, on va le mettre là, même si c'est extrêmement moche. Pour l'instant, on met toutes nos ressources inutiles ici, sauf ça, évidemment. Oui, bon, voilà, on va faire comme ça. Il n'y a rien dans mes coffres, je suis un clodo. La redstone. Sniff la redstone. Les slime balls, on va les mettre là-haut parce que oui, c'est un coffre qui me sert à rien pour l'instant. Il sert juste à entreposer tous les trucs chimiques, alchimie et tout. D'ailleurs, ces potions, faudra les utiliser un jour. Dommage que ce soit que des potions inutiles pour moi. Enfin, j'ai envie de dire, si je me balance ça sur la tronche, je risque d'avoir quelques ecchymoses. Voilà. Alors, du coup, nous allons donner notre foin aux vaches.
toi, en premier, puisque t'étais devant. Allez, on ne se pousse pas non plus. Laisse-moi passer la barrière. On ne se pousse pas, voilà. On reste calme. Calme, cool. Je ne vois rien qui soit suspect. Je peux continuer. Si toi aussi tu connais cette musique, alors bravo. Il y a de l'XP un peu, voilà. Oui, j'ai perdu ton XP, oui, je sais, je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'ils me regardent les vaches comme ça? Voilà, ils ont mangé tout leur foin, je pense. Voilà, donc l'élevage bovin s'agrandit de jour en jour. Il y en a une qui est forever alone de ce côté-là. D'ailleurs, on peut crafter un bloc de foin, mais je vois pas son utilité parce qu'on n'est pas tellement overcheaté, hein. Donc voilà. Ça n'a toujours pas poussé étant donné qu'on allait dans le Nether même après 2 jours, qui est complètement pourri. Et finalement, nous avons planté notre graine de melon. Notre graine de melon, voilà. Ici. Parce que je sais pas pourquoi, il y a le paysan qui a encore dû racler les plantations pour se venger. Tu fais ça, encore une fois, je t'explose. Voilà, bien. Ah mais zut, suis-je idiot? Il me faut des graines pour pouvoir replanter mon foin. Voilà. Donc, ce que je vais faire hors caméra, bien évidemment, c'est trouver des moutons et prendre de la laine. À moins que, on puisse aller en piller juste 2, 3 morceaux sur un village voisin, genre celui-là. Je m'en fous des villages voisins, en fait. Donc je pense que je me donne le droit, voilà. Ah, il y a des daims, donc on va se les faire, et puis comme ça, on va récupérer la fourrure. Fourrure qui va nous être très très utile pour faire des armures à la Skyrim, hein, à moitié à poil, dans la neige et tout. Allez, toi, tu viens par là, arrête de courir. Ok, pas de fourrure ici, un âne. Les ânes sont extrêmement débiles, hein. Je vous annonce ça tout de suite. Toi, le daim là. Pff, il est en train de fuir. Bon, j'ai pas que ça à faire, et puis j'ai même plus de bouffe. Oh là là. Bon, pourquoi pas. Se repose, se repose. En fait, ils foutent rien dans ce village. Oula! Ah, ils ont quand même construit une... C'est bizarre. Oh! Oh, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Il y a un troll quelque part là, non? Oula! Oulala! Bon, d'accord. Je sais pas ce qui s'est passé là, c'est la folie. Bon, bah écoutez, coupure, enfin ellipse, je veux dire, c'est pas tout à fait normal ça. Hein. Allez, donc on se retrouve encore en vie évidemment. Génial, donc bon, je me suis fait shooter par un ours au retour. Bon, j'ai un peu de fourrure du coup, parce que oui, j'ai voulu me le faire. Hein. Le dernier trappeur a voulu tuer son dernier ours, et s'est fait latter la tronche à coups de patte plus grosse que des tartes aux pommes. Donc c'est parti, nous allons nous faire des chaussures. Des chaussures en... Voilà. C'est des chaussures ça. Est-ce que c'est censé être fait pour les nains ou elles sont complètement buggées en fait ces chaussures? Ouais, ça doit être ça en fait. C'est complètement buggé. En plus, je me dis, mais je suis complètement stuffé en or, en fer et tout, et puis non en fait, non, voilà, je me fais même pas une petite, enfin, je me fais pas même pas quoi que ce soit, hein, je reste comme ça, à rien foutre, et je me fais même pas une petite armure en fer, et je me fais latter la tronche par un ours, genre, là, non, c'est un sanglier, on s'en fout, donc, on va se faire des laines, craft de laine souvent méconnue d'ailleurs, quand on a 4 ficelles, oui, on peut fusionner les laines, enfin les ficelles pour en faire de la laine, pour ceux qui ne savent pas. C'est vrai que y a certains crafts qu'on a tendance à oublier parce qu'on n'utilise quasiment jamais. Donc voilà, alors voyons voir. On a pas grand-chose, hein. Carte 0, fais voir. Oui, bon, elle a pas avancé, on s'en fout, tu retournes là, toi. Est-ce que je vais pouvoir acheter des machins? Non, franchement, alors on a vraiment pas grand-chose. Disons qu'épisode minage, c'est bien, ça nous a stuffé, mais après le reste... On attend toujours que l'enclos à vaches veuille bien se bouger, mais bon. Alors, on va essayer d'accomplir 2-3 quêtes, histoire de finir cet épisode. Enfant malade, on ne peut pas... Ah non, ils ont toujours pas d'alambic, donc ils ne peuvent pas faire de calva. Voilà, donc ils ne foutent rien dans ce village, c'est bien ce que je pensais. N'empêche que depuis qu'on est allé dedans, quoi, il y a eu de l'évolution, quoi. Et on peut s'en prendre qu'à moi. Enfin, je peux m'en prendre qu'à moi, parce que c'est moi qui ai tout fait. Ouais, c'est moi qui ai tout construit, à l'aide de femmes que... Quoi? Attends. Donne-moi ton boudin. Quoi?
Ah bah ça y est, regardez, ça devient intéressant là d'un coup, je sais pas ce qu'elle fout l'autre là, mais ça a l'air pas mal là ce qu'ils sont en train de construire. J'ai dit quoi? Où il est le mec à qui je vais lui donner du boudin là? Oh le monsieur Boudin, il est où là? Boudin! Ah il doit être là. Enfin, j'espère. T'as faim? Non, t'as pas envie de boudin, tranquille. Bon, il a l'air seul lui. Ah, il doit traîner avec la femme à côté, là, je suis sûr. Ouh, le mari infidèle. Je suis sûr que c'est lui là-haut. Ah oui, c'est lui. Ah non. Mais qu'est-ce qu'il fout au bord de la fontaine? Ah oui, c'est lui. J'ai faim. Donne-moi à bouffer. Gna 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 gna. Tiens, le boudin. Mais non! Oh! Arrête de sauter comme ça. Bon, il se paye ma tête, je crois. En fait, il est là trop. Le, je vais pas te donner l'XP, alors je vais crever la dalle. C'est bon, t'as fini? Bon. Il a l'air de s'en foutre. Bon, bah c'est pas grave, cette quête, bah, on ne l'accomplira pas. Je suis désolé, monsieur. En plus, ça tombe bien, j'ai faim. Pourquoi ça a fait un bruit de métal, le truc? Bon, c'est pas grave. Je suis désolé, mademoiselle, mais j'ai pas pu faire autrement. Hein. Ah bah, dis donc, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ça m'a l'air d'être un vrai fort qui encadre toute la ville. Des événements récents entre les villages de Vieux-Bourg-la-Baille et le Vieux-Bourg-l'Océan ont amélioré leurs relations. Elles sont maintenant excellentes. Génial. C'est exactement pas ce que je voulais. Je déteste les autres villes à côté. Moi, je suis territorial. Je défends mon fief. Le fief d'œil, d'ailleurs, je sais pas comment je l'appelais. Apparemment, ils sont en train de construire une deuxième tour comme ça. Et peut-être qu'après, ils vont relier le tout à l'aide de murailles, ce qui va donner un château fort complètement vert-cheaté. Mais moi, ce que j'aimerais bien quand même, c'est qu'ils fassent une mine. Comme ça, bah, leurs bâtiments seront en pierre et auront beaucoup plus de gueule. Et ce sera plus classe. Marchand de textile. Mais moi, je veux bien t'en acheter, mais bon, tu veux pas, là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, explique. Vas-y, dis pourquoi. Bon, il veut pas. C'est genre que je peux même pas y acheter ça. Mais j'en veux, je les... Ah, ils ont plein de laine rouge et ils en ont besoin pour construire. Mais pourquoi? C'est tellement injuste. Oh là là. Bon, alors peut-être qu'ils vont améliorer leur marché, hein, du coup. Oula. Oh oh. Ouah là 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 là. D'accord. Voilà pourquoi il ne faut jamais se balader la nuit. Oh punaise, je vais me faire exploser la gueule, moi. Oh là 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 là. Bon, je veux bien chasser le scorpion. Oula, non, non, non. Non, 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 non. Non, non, pitié, pitié, pitié. Pitié! Je vais me faire exploser la tronche. Espérons que l'autre là-bas... Et merde, il est en train de démolir le niveau. Non, je vais approcher trop près. Oh non, mes vaches, non, pas mes vaches, non! Je déteste la faune et la fleur de cet endroit. Dégage! Puis là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un bruit de... Oh là là, il faut fuir là. Oh là là. Toi, j'espère que tu vas brûler, mec. Oh, comme je te déteste à partir de maintenant. Non, mais là, c'est vrai que dans ces derniers épisodes, j'enchaîne fail sur fail, là, parce que c'est pas possible, quoi, le truc. Déjà, l'épisode d'avant, c'était quoi? C'était le mec qui m'a ridiculisé, enfin, qui a démoli le château comme un barbare. Là, c'est un autre mob, je sais pas ce que c'est, un troll, hein, je sais pas. Donc, on va dormir, du coup, ce serait pas mal. Et puis là, je suis en train de crever de faim comme c'est pas possible. Voilà les événements récents. Voilà. Allez, on saute du lit quasiment là. On se pète les genoux en arrivant. Et on bouffe une omelette. Voilà. Qui a l'air vraiment dégueulasse là, entre nous. Donc voilà notre omelette. Bon, allez, on va essayer de se les faire du coup. Ouah, y a du monde là-dehors. Eh, dégage! Un scorpion, génial, c'est dont j'avais besoin. Par contre, deux scorpions, c'est moins cool là. Trois scorpions, c'est complètement à chier. Ah non, c'est bon. Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Et l'autre là qui campe là-haut. Je fais quoi moi du coup? Il est où? Ah! Oh là là! Eh, mais quand est-ce qu'ils vont me foutre la paix, ces scorpions? Attends, laisse-moi passer. Voilà, merci. Et tu vas dead. Mais il est où? Oh. Bon, en fait mon stuff a littéralement, enfin, s'est éparpillé sur toute la zone. Regardez, nous avons du cuir. Cuir, enfin cuir. Je sais pas d'ailleurs si c'est du cuir, mais on va le garder. Ah merde. Ah. Oh. Bon. C'est pas trop trop grave. De toute façon, le mari ne voulait pas de moi. Donc c'était une quête perdue d'avance. Hein, je sais pas. Le mari m'a trollé, je pense.
Donc, on va remettre nos deux équipements. Écoutez, c'est pas grave, hein, on veut, tu parles. Hein. Ça va être vite réparé. De toute façon, j'ai d'autres quêtes à accomplir. Je suis le héros, je suis Buzz l'éclair vers l'infini et l'au-delà. Bon, on est un petit peu. On a quelques gros problèmes, genre ça, qui a été dégommé. Du boudin. Genre, il drop du boudin, le mec. Bon. Du coup, non, 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 oh là là, le carnage des vaches, quoi. Et toutes les vaches en dehors seront exterminées, voilà, je suis le néo-nazi le plus absolu, donc voilà. Je m'en fous, j'ai récupéré vos drops, je vais lécher vos restes. Ne voyez pas là quelque chose d'obscène, c'est juste que j'aime pas, voilà. Les méchantes vaches, elles ont tout dégommé. Je les accuse, en fait, c'est trop injuste pour elles, mais je le fais. Bon, du coup, il y en a qui n'ont plus de famille, c'est génial. Puis de toute façon, on a plein d'heurts dans nos coffres, donc... bon, ça au pire, j'ai réparé hors caméra encore. Écoutez, on va voir une dernière fois s'il y a encore 2-3 quêtes à accomplir. 2-3 trucs rapides, hein. Bon, lapin, fourrure, allez hop, toi tu... Non, même pas, bon, tant pis. Donc, enfant malade, mais on peut rien faire, hein, pour... Oh là 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 là! Bon bah voilà, déjà on a quelque chose à réparer là, c'est génial. J'ai faim. Ah bah il a toujours... Bon. Vous pouvez embaucher ce villageois jusqu'à l'épuration du contrat où c'est la créature qui vous attaque ou vous attaquera directement les monstres et villageois hostiles si mis en mode agressif. Et bah voilà, ça y est, À partir de maintenant, je peux me payer des villageois. Donc voilà, aucun respect pour eux, hein, mais je peux m'acheter donc des villageois qui pourront me défendre au cas où. Alors ce serait bien en cas de. Enfin, quand on ira dans le Nether, je suis sûr. Alors je sais pas comment on fait par contre pour l'empêcher de mourir. Hein, et peut-être qu'il faut leur donner de la bouffe ou je sais pas quoi. Lame brisée. Je veux bien ta quête, mais bon, si tu veux pas me parler, tant pis. Bon bah écoutez, regardez, ils ont déjà construit 2 tours. C'est les 2 tours du Seigneur des Anneaux. Lol. Mais en bien plus petit, je pense. Donc, ouais, bon, l'autre, elle me parle à chaque fois, là. Moi, je veux pas te parler. Hein. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Voilà, bon, bah écoutez, cet épisode va se terminer aussi calme. Enfin, se terminer aussi calmement qu'il a commencé. Chose qui est donc vraiment pas calme. On va se calmer en faisant péter le château. Voilà. On va faire comme ça. Hein. Ah bah, des daims. Bon, bah, on va se faire un troupeau de daims, du coup. Mais fuyez devant ma puissance. Ah bah tu peux gueuler mais c'est pas moi qui va te qui va abréger tes souffrances. J'ai besoin de fourrure, t'as toujours pas compris? Et toi t'as compris ça? Mais non mais genre. Oh une mouche. C'est plus joli quand c'est mort ces machins. Voilà. Merci pour l'XP. Elle m'a droppé quelque chose? Non peut-être pas. Ça c'est quoi? Un rat? J'aime pas les souris. En fait, le gars, il va exterminer tous les animaux à côté de chez lui, en fait. Oh, un ligre. Un ligre. Ouais, un ligre. Une lionne. C'est une lionne, oui. Si on la frappait, un sanglier, si on le tuait. Aïe. Bah, disons que les sangliers sont très inutiles. Hein, donc, c'est quoi ce truc? C'est bizarre, j'entends des slimes. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce serpent de malade mental? N'empêche, regardez comme ils sont classe. Aïe, oh yes, c'est bon, je t'ai rien fait, oh, c'est bon. Ah! D'où il me tape l'autre? Fais gaffe, j'ai une épée en diams. En fer. Enfin, j'avais une épée en diams. J'aurais pu te pourfendre si j'avais envie de le faire. Mais bon, j'aime bien les serpents, contrairement aux sangliers, donc. Voilà, bon, bah écoutez, cet épisode va se terminer. Hein, on se retrouve pour le. Ouah, mais j'ai autant de bouffe que ça, moi. Bon, bah écoutez, on a de la bouffe pour demain et pour après-demain et pour les restants de nos jours. On a beaucoup de cuir aussi, ce qui va être très utile pour les livres, qui nous coûte la peau du cul à être fait hein, d'ailleurs. Oui, je n'ai aucun respect, je parle vulgairement comme le vieux Raymond, et j'en suis fier d'ailleurs. Du boudin noir, c'est dégueulasse. Ben, c'est tellement... C'est bizarre. Ah ouais, mais non. Mais ça nous sert à rien en fait ce truc. Enfin, ça se bouffe en plusieurs fois, mais ça sert à rien, quoi. Ça régénère que dalle, le truc. Bon, bref, regardez le nombre de bouses que j'ai, donc hors caméra, là, à la fin de l'épisode. Je vais donc m'occuper de notre magnifique... ça, on a plein de fourrures. Voilà, 5 fourrures, 5 et 2 machins, bon, c'est pas grave. Donc, je vais m'occuper, donc, hors caméra, de reconstruire un petit peu le village qui a une seconde fois été détruit. En 2 épisodes, ça craint un peu.
On va poser ça là. Voilà, et donc on se retrouve pour le prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces verts. Et donc, oh là là, mais franchement, ils auraient dû soigner la texture du truc. À moins que ce soit voulu, mais ça m'étonnerait peut-être un peu. Je pense que ça m'étonnerait, oui. Ça fait vraiment quelque chose de très très bizarre. Olé, c'est la polka, nananana. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Allez, salut à tous, c'était Skyriad et on se retrouve donc pour le prochain épisode de Minecraft RPG. Allez, je vous donne envie de vomir. Salut à tous.